pouvoir de la France qui détruit des familles, l'ingérence, l'injustice, la corruption existent partout. La meilleure preuve qu'on a, on a la commission Charbonneau. Vous voyez combien d'argent qui se perd. Il y a aussi l'injustice dans les secteurs de la construction, les abus de pouvoir, les gens veulent travailler dans leur métier. On dit que c'est un privilège de travailler dans ton métier. Fricoteur, maçon, bricoleur, menuisier, tous les corps de métier. On spécule ces travailleurs, on manipule les travailleurs. Les gens veulent travailler. Un employeur qui engage pour 5 ans, cette personne-là, il veut revoir cet homme-là. Là, lui, il va être mis en amont, puis l'ouvrier va être mis en amont. J'appelle ça de l'injustice sociale. Il est temps que le Québec soit un Québec libre et aussi démocratique. Parce que nous sommes trop réglementés. Et il faut la liberté de travail. Il y a aussi les immigrants qui viennent au Québec pour s'intégrer, pour vivre, pour prospérer, avoir une vie meilleure. Mais tellement la réglementation, les décrets, les exigences qu'on fait, on sature et c'est des gens qui sont professionnels. Mais on les tente. On fait ce que le Québec fait. Duplessis disait que l'unionisme, c'est des communistes. Mais je vais vous dire de quoi. Dans l'unionisme, il y a du bon. Mais il est temps qu'on fait un ménage dans l'unionisme. Puis de dire, non, ça suffit. Les abus de pouvoir, vos réglementations sont injustes. Laissez le peuple travailler du Québec. Je veux qu'on soit un peuple libre et non censuré, réglementé. Et la meilleure preuve, on n'a pas le droit de fumer dans les restaurants. Maintenant, c'est les terrasses. Vous dites exactement, il faut un revirement de la démocratie au Québec, la liberté de travail, pour que toutes les familles prospèrent au Québec, que tout le monde soit heureux et qu'il ne soit pas dans la pauvreté et dans l'aide sociale. Et même encore plus que ça, c'est quand vous vivez dans la rue, c'est épouvantable. Empêcher les gens de travailler, c'est l'appauvrissement d'un peuple. Et moi, je suis pour la prospérité du Québec et aussi de chacun de nous, qu'on puisse s'épanouir avec toute la famille, au Québec, et la liberté. Ouais, je vais le faire.